Bon, alors rebonsoir. Là, je pense qu'on est correct. Je pense que là, vous êtes dans le bon sens. J'avais le bouton qui était au bon endroit, mais je sais pas, là, ma caméra qui bascule, là, ça va pas. Fait que, c'est des choses qui arrivent, mais l'important, c'est qu'on est là, puis que vous voyez bien ça. Pas ma face, ça, c'est pas grave. Mais dites-moi donc, là, ce que vous voyez dans le bon sens, est-ce que tout est correct? Mais d'après moi, oui. Allô, Anne. Allô, Louise. Alors, contente de savoir que vous êtes toujours là. Allô, Lynn. OK, c'est beau. Bon, phew. Merci, Anne-Marie. Merci, Lynn. Alors, bonsoir, les filles. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé quand même une belle semaine, une belle fin de semaine. Il faut dire que samedi, dimanche, quand même, il a fait très beau ici à Québec. On est vraiment contents. Moi, j'ai passé la journée dehors. Il m'est arrivé toutes sortes de péripéties, par exemple. Mais bon, ça, c'est un détail. L'important, c'est que là, je suis là avec vous. Mais j'ai failli annuler ce soir. Quoique, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens parce que la fin de semaine prochaine, je serai probablement pas là parce que je vais être à Montréal avec mon garçon qui joue deux games de hockey à Montréal la fin de semaine prochaine. Ce qui fait que ça me surprendrait que j'aie le temps de revenir à temps dimanche soir, d'avoir de quoi de prêt, à moins que. Mais bon, prenez pour acquis que je serai pas là. Si jamais je suis là, je vais venir vous faire un petit coucou puis je vais vous l'annoncer. Alors, ce soir, on continue avec les beautés automnales. Vous avez vu, j'ai publié ça ici pour le blog Hub, dans le fond du mois. Alors, c'était nos techniques préférées. Alors, j'y vais ce soir avec la présentation de ces trois techniques-là. Et ce que j'ai utilisé, en fait, pour faire tout ça, alors, j'ai utilisé ici le lot Chic Saison, qui était vraiment un de mes coups de cœur du catalogue, mais que je n'avais pas encore utilisé. Ça, je ne sais pas pour vous, moi, ça m'arrive souvent. Oh, camping au Mont Mégantic, oh, ça devait être beau, Lynn. Oh, Mont Mégantic, ça devait être vraiment génial. Donc, oui, c'est ça. Des fois, c'est ça, je commande des choses, coup de cœur, mais manque de temps, et là, c'est ça. Puis, je m'en allais l'oublier. Et c'est parce que j'ai travaillé, en fait, avec le papier design pour un autre projet. Puis là, j'ai vu, hey, j'ai dit, ben oui, regardons, j'ai des belles feuilles d'automne. Et là, je regarde les découpes. Alors, ça vient aussi en lot. Regardez tout ce qu'on a dans ce lot-là. C'est vraiment un quatre saisons, c'est-à-dire qu'on a des feuilles, on a des flocons, on a des coquillages, on a des fleurs, on a des feuilles, comme je le disais. Regardons, on a aussi une belle découpe ici qui fait comme un super arrière-plan travaillé. C'est vraiment un ensemble, tant qu'à moi, magnifique, quatre saisons, un beau passe-partout. Alors, c'est avec ça que je vais travailler ce soir. Mais là, ce que vous voulez voir, c'est les techniques, évidemment. Alors, je me mets ça de côté. Ici, j'ai utilisé une base fruits des bois. Puis, je me suis dit, pour faire changement un peu ce soir, je vais y aller avec une base cuvée de cassis parce que j'ai utilisé, en fait, trois couleurs pour faire mon dégradé. Donc, une des techniques, c'est justement de pouvoir faire un dégradé de couleurs. Puis, avec les couleurs Stampin' Up, c'est tellement le fun, c'est facile à faire. Donc, j'ai utilisé cuvée de cassis, fruits des bois et merlot magique. C'est les trois couleurs qu'on va utiliser. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va simplement changer la base, puis ça va me faire une carte un petit peu différente. Donc, toujours la même chose, 5,5 par 8,5, rainuré et plié à 4 pouces et quart. Et là, ben, j'ai un petit détail, en fait, c'est que d'habitude, hein, ma base blanche, je la coupe, en fait, à 4 par 5 pouces et quart. Mais là, comme je voulais avoir un petit ajout aussi dehors sur les côtés. J'ai décidé de la couper à... Oh, même, je devrais la couper encore. Je pensais que je la coupais à 3 pouces et 3 quarts. Mais ça doit être plus être 3 pouces. Attendez, je vais y enlever un petit vite. Alors, ouais, ça va être 3 pouces et... Boum, 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 et 5,8. Donc, 3 pouces et 5,8. Ça, c'est ma base blanche sur le dessus. C'est mon... Ah, allô, Françoise! Allô, Nicole! Alors, voilà. La première technique, en fait, avant de commencer le dégradé, c'est dans le fond de faire un masquage. Le masquage, on l'utilise pour bien des choses. Ici, moi, je suis allée en ligne droite. On peut l'utiliser des fois pour étamper, dans le fond, comme en arrière-plan. C'est vraiment une belle technique à utiliser, le masquage. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? On a un nouveau papier à masquage dans le catalogue annuel. Ça, c'est nouveau chez Stampin' Up. Dans le fond, c'est comme un gros méga post-it. Ce que j'aime, évidemment, c'est le fait qu'il soit très grand, donc il est très long, donc c'est facile de justement pouvoir couvrir une grande surface. Contrairement à ce que j'utilisais avant, c'était dans le fond des post-it qui étaient ce que j'appelais full collant, là. Donc, ça, bien évidemment, ça m'en prenait plusieurs. Fait que là, des fois, il pouvait y avoir une petite encoche, alors que là, en ayant dans le fond pleine longueur, j'aurais pas ce problème-là.
Par contre, là, vous voyez, là, ça, c'est celui que j'ai utilisé. Je voulais voir, est-ce que je serais capable de le réutiliser après? Quand je le recolle sur mon jour, vous voyez, là, j'ai mis des petits des morceaux de papier collant, là, de ruban adhésif, parce que ça ne collait plus sur la base. Mais là, je veux voir, est-ce qu'il va coller? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous montrer les deux, là. Bon, là, attendez, je vais juste enlever mon petit papier collant. J'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû pas l'enlever parce que je voulais vous le montrer, mais j'aurais dû au moins couper. Parce que voyez-vous, dans le fond, j'ai comme collé ça ici en haut pour qu'il reste là. Mon Dieu, on va l'amener à le décoller. Je vais l'amener à décoller mon papier, mon scotch tape, comme on dit. Ah là là, attendez, comme ça. Oh, là, j'ai découpé ça, j'aurais pas dû faire ça. Bon. Je vous le dis, là, de ce temps-ci, je cultive, et je vais dire cultiver, c'est quasiment le terme, les gaffes, les erreurs, je sais pas ce que j'ai, là. Je vous le dis, je suis dans la bad luck de ce temps-ci. Allô, Annie! Alors, attendez. Bon, OK. Là, j'ai réussi. Je veux juste voir, en fait, est-ce que je peux le réutiliser? C'est un petit peu ça. Donc, je me garde ce bout-là ici qui est droit. Je n'ai pas mis de scotch tape. Ça, ici, j'en ai mis, fait que je ne peux pas l'utiliser parce que sinon, je vais me faire des encoches. Là, je vais me servir de mon... non, c'est pas lui que je veux. Ah, mais là, en plus, j'ai pas coupé... je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Je fais juste des gaffes. Bon, j'ai pas coupé le bon côté. C'est ce côté-ci qui est collant. Ah, mais là, c'est ça. En haut, en bas, ça ne me dérange pas. Voyons, on a un petit réveil. OK. Donc, ici, ça, c'est droit. Je n'ai pas d'encoche. C'est bon. Ça, c'est le côté qui est collant. Donc, ah oui, il est assez collant. Regardez. Oui, ça va être bon sur le papier. Puis, regardez, même, il est encore très collant. Ce qui fait que l'autre partie, je vais utiliser un qui n'a jamais été utilisé. Puis, je vais vous dire pourquoi. Donc, on peut les réutiliser, ça veut dire. Mais comme je vous dis, c'est sûr, sur le papier ici, qui est comme ciré, il ne tient plus dessus. Là, regardez, quand j'arrive pour le recoller dessus, il se décolle. Tu sais, ça ne tient pas. Fait que, bon. Mais au moins, là, je sais que je vais être capable de le réutiliser. Je pense que ça vaut la peine de le faire. Me suivez-vous? Je parle-tu trop vite? Je me sens énervée. J'ai l'impression que je suis comme un cheval de course là, qui est comme pressé. Vite, 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 il faut que je fasse ça. Puis je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune raison en tant que telle. Ah, mais j'ai mon papier. OK, je devrais... Non, ça me semble droit. Alors là, je vais me prendre environ... Je ne sais pas trop mesurer, mais 3/4 de pouce. Alors, regardez, je me fie sur mon papier quadrillé. Et là, je veux m'aligner, évidemment, comme ça ici, pour m'assurer que ce soit bien droit. Tiens, là, ça tient. OK, là, j'arrive à mon papier de masquage neuf. OK, là, celui-ci, à place d'utiliser celui que j'ai déjà utilisé, je vais venir utiliser celui qui n'a jamais été utilisé. Pourquoi je vous dis ça? C'est que c'est très collant, OK? Je vais en enlever un petit peu. Puis même si je fais juste... Regardez, c'est bon, ça colle, mes amis, là. Alors là, imaginez, sur du papier normal, un papier normal, c'est un petit peu plus ciré. Si je le colle directement sur mon carton, ça déchire le carton. Est-ce qu'on veut ça? Non, on ne veut pas ça, surtout pas. Donc là, regardez, je vais vraiment y en enlever plusieurs couches même. Pas juste une, mais vraiment plusieurs. Oh, mais là, on dirait que... Mon Dieu, comment ça fait ça? Ça a comme gondolé mon affaire. C'est bien bizarre, ça. Regardez ça. Il y a ceux qui l'ont déjà utilisé. Ça vous a-tu déjà fait ça? Là? Moi, je vous le dis, c'était comme ma première fois que je l'utilisais. Là, j'ai peur que ça me fasse des drôles de marques. Bien, voyons donc. Il faut bien que je sois en live pour que ça m'arrive. Je vous le dis, je vous le dis. Je ne sais pas ce que j'ai de ce temps-ci. Mais c'est bad luck par-dessus bad luck de ce temps-ci. Fait que, on dirait qu'il n'y a plus rien qui me surprend. Anne-Marie. Oh, insomnie, Françoise. Ben là, Françoise, trouve-toi, tu vas bien. On dirait que mon affaire, ça ne marche pas super comme je voudrais. Attendez, je vais essayer de... Peut-être avec mon plivoir pour essayer d'enlever le gondolage. J'aime pas ça. Je vais peut-être essayer de l'enlever trop vite tantôt. Mais là, je sens qu'il est moins pire. Donc, je suis comme stressée. C'est vrai, là, j'ai 3/8. Ah, c'est vrai. La dernière fois, j'avais pris pleine longueur, puis après, j'ai coupé sur les côtés. Ah, oh, ma
bon, tu sais, divine. Alors, si je me dis, donc, une, deux, trois, je m'en viendrai à peu près ici. Bon, 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 mon affaire, je te dis un petit peu plus même. Comme ça. Bon. OK. Ça me fait quand même une belle surface. J'ai hâte de voir ce que ça va me faire ici. Je suis égale, oui. Hein, une, deux. Hein, une, deux. Ouais, ça, c'est beau. OK. Bon. Tu vas y arriver. Zen, sois zen, sois zen. T'as ma raison, Françoise. Dommage pour toi, mais ça va en valoir la peine. Sa carte est sublime. Ah, oui, pour l'insomnie. Mais oui, je suis assez contente du résultat. Maintenant, il faut juste que j'y arrive parce qu'on dirait que c'est ça. Alors, la première couleur que je vais utiliser Merlot Magique. Et on va commencer dans le haut. Donc, je vais juste m'assurer que ma brosse... Oh, ouais, je vais y en enlever un petit peu. Alors, je vais y arriver, vous avez bien raison. Je commence avec mon merlot. Alors, je viens chercher avec ma brosse estompe. Et là, dans le fond, ça aussi, c'est une des techniques. La, voyons, le dégradé avec notre brosse estompe. Donc, on va commencer toujours à l'extérieur. Je sais que j'ai déjà dit avant, vous pouvez y aller directement avec nos... Oh, mon Dieu! Avec nos brosses, tu sais, parce que je trouvais que ça allait quand même mieux qu'avec nos éponges, du fait que ça ne donne pas la même texture. Oh, allô, Annie! Allô, Jocelyne! Alors, mais il reste que, oui, je pense qu'à la longue, ça fait des marques. Mais avec le style de carte que je fais, je vais juste vous montrer ici, comme à l'intérieur. Voyez-vous, j'ai refait la même chose ici à l'intérieur. Puis ici, j'ai comme des petites marques, je sais pas si vous les voyez. Mais on dirait qu'avec le côté style automnal, ça me dérange pas pantoute. Au contraire, ça fait très beau. Alors là, vous voyez, il va falloir que j'en applique pas mal plus que ça. Alors, on continue jusqu'à temps qu'on est satisfait. Là, ici, c'est comme un petit peu enlevé. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais y aller plus dans l'autre sens quand je vais arriver dans ce coin-là. Puis là, je peux le descendre un peu pour aller enlever le surplus. Ça ne me dérange pas parce qu'après, je vais reprendre, dans le fond, une autre couleur. Bon, alors, let's go. Vous voyez que je vais quand même avec des cercles. Je vous dirais que c'est la façon peut-être la plus facile pour appliquer la couleur. Là, on commence à avoir une couleur là, qui est assez riche à mon goût, qui commence à avoir du bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, c'est Merlot Magique. C'est une couleur que je n'avais pas beaucoup de tendance à utiliser, pour être bien franche avec vous. Puis comme je le dis souvent, c'est quand on commence à utiliser une couleur qu'on voit tout. Oh my God, ben c'est donc bien beau ce rouge-là. Ça fait très automnal. Très, très, très automnal. Alors, bon. Alors là, ça, je pense que c'est quand même pas pire. Ensuite, je vais y aller avec Fruits des bois. Et là, bien, comme Fruits des bois est au centre, vous comprenez que je ne partirai pas d'en haut. Je vais partir un petit peu ici au centre, mais pas complètement ici. Donc, un petit peu plus au centre. Il y en a qui pourraient dire, bien, tu devrais peut-être commencer avec ta dernière couleur, puis après finir avec... Mais moi, je préfère garder mon cuvée de cassis vraiment pour la fin, étant donné que je prends toujours la même brosse estompe. Donc, ce que je fais, c'est, regardez, je me pars d'ici, puis là, je vais m'en venir comme ça, et là, je vais remonter tranquillement. Puis, je vais remonter vers mon merlot magique. Comme ça, ici. Puis, on voit tout de suite, hein, Fruits des bois est quand même intense. T'adores travailler avec les brosses Fran Wimou aussi. Pour vrai, c'est vraiment un bel ajout, ça, que Stampin' Up! Nous a fait, c'est quoi, c'est l'année passée ou l'année d'avant? Mon Dieu, je me souviens déjà plus. J'ai une petite mémoire. Alors, voilà. Oh, j'aurais peut-être, là, je trouve que je l'ai peut-être un petit peu foncé pas mal à mon goût. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus pâle. Fait qu'il va falloir que mon cuvée de cassis, là, j'applique quand même assez pour vraiment... Tu sais, j'aurais peut-être aimé avoir plus cette couleur-là, mais là, bon. On va faire avec. Alors là, j'y vais à fond avec cuvée de cassis. Oh non, c'est pas pire. Que je viens appliquer ici dans le bas. Oh non, non, non! Oh non! Merdouille! Attendez. Oh mon Dieu, je suis tombée chanceuse. Oh my God! Mon Dieu, il faut que je le dise, là. Vraiment. Merci, mon Dieu! Savez-vous, c'est quoi mon problème avec mon papier?
c'est qu'il y a comme une petite couche de papier qui décolle. En tout cas, je vais vous le montrer après, là. Je vois c'est quoi l'affaire. Mais bon, au moins, ça n'a pas taché mon affaire, fait que je suis bien correcte. Je suis bien fine avec ça. OK. Alors là, c'est le temps. On enlève nos fameux papiers. D'ailleurs, je vais enlever celui, justement, qui est comme plus neuf. Alors, on y va tranquillement quand même, pour vrai. Allez-y doucement. Simplement pour pas que ça déchire sur votre carton. Ah bon. Voyez-vous, ici, il y a comme un petit peu de... Comme la partie collante puis le papier qui a comme décollé un peu. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a gondolé tantôt. J'ai dû tirer trop vite pour pouvoir enlever un peu de collant. Et là, regardez, si j'essaye de remettre justement, tu sais, le petit papier ciré, franchement, là, ça colle plus. Donc, je vais être obligée... Regardez, j'essaye bien, là. Mais il ne veut plus coller dessus. Fait que je vais y mettre tantôt un petit papier... un ruban adhésif, un scotch tape. Oh, je sais, j'ai fait une petite marque, mais ça va être pas si pire. On va y mettre une petite feuille, ça paraîtra plus. Alors, voilà ce que ça donne comme dégradé. Là, j'ai fait aussi à l'intérieur. Fait que je vais y aller tout de suite avec l'intérieur, puis ça va me permettre justement de sécher... Ah, oh, j'ai oublié de faire ma bande pour faire mon vœu. Ah, ça aussi, il faut que je le fasse. Fait qu'on va aller faire ça. Ça va me permettre un petit peu de sécher avant que de faire l'embossage, parce que vous le savez, ça m'est arrivé tellement souvent. Et ça m'est arrivé aussi quand j'ai fait mon souhait. Je sais pas si vous voyez, il y a comme de la petite poudre qui a comme resté sur... J'avais beau taper pour essayer de l'enlever, il n'y avait rien à faire. Ce qui fait que, je sais pas si ce soir... tu sais, parce que j'aime l'effet finalement que ça donne. Je sais pas si vous le voyez. Ah oui, là, on le voit. Hein, dans les coins... J'ai comme un surplus de poudre, comme quelque chose qui est moins bien défini que d'habitude, mais là, je trouve quand même que ça faisait bien pour ce que je voulais faire. Donc là, pour l'intérieur de la carte, je voulais simplement, là, je vais aller vraiment plus simple. Donc, je vais me prendre ici à peu près, ça doit être un pouce que j'ai dû mettre. Non, peut-être pas, peut-être encore trois quarts. Ouais, peut-être un, oh non, plus que ça. Ça doit être un pouce que j'ai dû mettre. On va y aller à l'œil. Ça serait bien si je me mettais sur le 2. Il me semble que ça ferait bien comme ça. Tiens, voyez-vous bien? Ah, je suis trop haute. Ah, vous voyez pas en haut, hein? En tout cas, tu sais, notre papier est comme quadrillé ici en haut. Fait que là, si je me mets sur le 1, mettons, vous allez le voir. Comme ça. Bon, tu sais, OK, de même. Comme ça. Fait que là, je mets mon rebord de mon papier, de mon carton blanc. Puis là, je vais venir appliquer ici mon... mon papier de masquage bien aligné sur la ligne du haut et du bas. Puis là, on vient coller comme il faut. Ça va jusqu'à date? Bon, mais je recommence. Merlot magique! à moins que, vu que... Attendez, c'est vous ce que je vais faire? Non, je ne ferai pas ça parce que j'ai pas fait ça. Je vais en enlever. Fait que là, on frotte généreusement, là. Notre papier, c'est à ça qui sert. Alors, là, j'y retourne avec mon merlot magique. Là, ça, dans le fond, finalement, je vais le faire quand même trois fois. Donc, merlot. Ah, regardez-moi ça. C'est-tu pas beau, cette couleur-là? Sérieusement, je trouve souvent qu'il faut pas que je me fie... Je le dis souvent, mais je le fais pas tout le temps. C'est une couleur, quand je regardais le carton, je disais, ah oui, c'est un... Tu sais, je voyais que c'était un beau rouge vin, riche. Mais je n'étais pas portée à aller le chercher. Alors que là, quand je l'utilise comme ça, là, avec mes encres, c'est souvent là que je trouve, puis tu sais, en dégradé ou en aquarelle, c'est souvent là que je vois toute la richesse d'une couleur de Stampin' Up. Je suis toujours, toujours satisfaite en principe de lorsque je joue avec mes encres. J'adore les encres de Stampin' Up. Alors maintenant, fruits des bois. Savez-vous ce que j'aurais pu faire? Pour être plus pratique, j'aurais dû faire tout de suite mon souhait. Attendez donc une seconde. Je vais me prendre une petite bande, puis ça va être fait. Je vais faire tout de suite mon... je vais avoir ça quelque part. Ça ferait-tu? Hé hé! Tiens, toi, je vais prendre ça ici. Et je vais me le couper. Il faisait combien déjà mon carton? J'avais dit 3 pouces et 5 8, hein, tantôt? Ouais, 3 pouces et 5 8. Fait que là, regardez, il ne faut juste pas que je tâche ici. Je reprends mon merlot magique. Comme ça.
Puis là, ben lui, là, j'ai pas de masquage à faire. C'est juste que c'est comme ça que j'ai ancré, dans le fond, mon carton. Donc, je vais y aller ici. Là, il faut faire attention avec nos doigts, parce que nos doigts, à un moment donné, ils viennent tâcher. Voyez-vous, là, c'est ici, là, ça, c'est pas bon, là. Je risque, à un moment donné, là, d'accrocher, d'avoir une petite marque en dessous. Ah oui, regardez. Je vais me nettoyer les doigts après, je pense. Parce que j'ai peur, à un moment donné, de... Ben, c'est ça, de tâcher, de faire une trace de doigts. Puis là, tu sais, il y a des choses que je veux pas. J'en veux pas de traces de doigts sur mon... sur mon papier. C'est pas comme une petite trace de brosse, là. Ça me tente pas. Fait que je vais me prendre juste une petite lingette. Donc, je vais me nettoyer un petit peu les doigts. Puis, on poursuit. Donc là, Merlot magique, lui, j'en aurais vraiment terminé pour l'instant. OK. Bon, bon. Ensuite, j'y vais... Ah, il est déjà sorti mon fruit des bois. Donc, même chose, je vais commencer dans le fond ici. Et là, je vais descendre un petit peu plus bas que mon merlot magique. Et je vais remonter vers mon merlot magique pour venir mélanger les deux couleurs. On y va doucement. C'est quand même le fun à faire. C'est vraiment agréable. Tu sais, c'est une technique qui est simple d'utiliser les brosses estompes, mais il faut y aller doucement. Tantôt, j'étais un petit peu trop énervée, là. Je le sentais, là. Là, voyez-vous, là, je le fais, plus ça va. Plus je me relaxe, je me détends. C'est bon, ça. C'est bon signe, d'habitude. Oui, je vais le faire maintenant sur celui-ci. Là, je ne le veux pas trop foncer, mon fruit des bois, parce que mon souhait va s'en venir ici. Peut-être un petit peu plus, quand même. Comme ça. Tiens. Et on va finir ça avec... Moi, je nettoie mes brosses sur un linge microfibre mouillé, tu veux dire, Anne, là? C'est sûr que ça doit bien faire. Moi, je suis comme une paresseuse, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas portée à aller les laver, mes brosses. Souvent, quand que je termine un projet, même, je vous dirais que je tarde des fois à me ramasser. Je me ramasse avant de faire autre chose. Ah, sur sec. Donc, un linge microfibre sec. Bien, Anne, tu m'intrigues. Puis, pourquoi microfibre? Puis, pourquoi sec? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Je suis comme intriguée. Ça, le microfibre permet de mieux essuyer la brosse? Bon, là, c'est ça, là, j'applique, dans le fond, mon cuvée de cassis, qui est ma couleur la plus foncée. Là, voyez-vous, là, je vais plus un petit peu dans les coins. Oui, OK. Fait que ça permet de mieux nettoyer la brosse, mais à sec, tout simplement. Bien, je serais curieuse d'essayer ça. Pour vrai, donc, microfibre, là, comme un linge à vaisselle là, qu'on utilise en microfibre. Là, pas quelque chose de particulier qui vient d'un magasin quelconque. Là. Vraiment, juste un linge en microfibre. Toi aussi, Françoise? Bon, mais coudonc, mon Dieu. C'est énorme, mais c'est ça que j'aime. C'est, je trouve que ça nous permet de partager nos petits trucs. Ensemble. Fait que, ben là, c'est ça. Je vais aller me chercher ça. J'en ai des linges en microfibre. Hein? Bon, OK. Voilà. Puis là, je vais être franche avec vous. Je trouve que ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai comme des petites marques là. Bon, il y a quelque chose que j'aime moins. Fait que là, je vais enlever tranquillement la place de faire des ronds. Je vais y aller de haut en bas. C'est juste parce qu'il y a comme quelque chose dans mon dégradé qui m'énerve un peu ici. Fait que je veux quelque chose d'un petit peu plus... moins en... On dirait que j'ai comme deux spots sur les côtés. Fait que... Juste pour atténuer tout ça. Mais... Des fois... Non, un linge en microfibre classique. Oui, OK, c'est ça. Bon, j'ai une petite tache là. Un linge en microfibre classique, mais qu'on utilise, dans le fond, pour nettoyer, là. C'est ça, qu'on retrouve dans les grandes surfaces, là. J'ai pas besoin d'aller dans un magasin de style Homer de serre pour trouver ça, là. C'est ça que je veux dire. Bon, fait que là, je vais mettre tout un petit papier ici. Fait que juste pour que ça tienne comme il faut. Je pense que je vais être bonne encore pour le réutiliser. Oui, OK, c'est ça.
Puis là, je pense que ce que je vais faire, je vais juste le coller ici. Me voyez-vous faire? Je vous le dis pourquoi vous aviez plus de son, c'est parce que je suis en train de recevoir un appel, mais c'est ma grande, c'est ma fille là, qui est présentement en mer, qui m'appelait. Fait que là, je suis comme un petit peu toute déconcertée, là. Je suis un petit peu déconcentrée aussi, mais bon, ça fait des semaines qu'on ne s'est pas parlé, ce qui fait que c'est ça. Mais là, le son devrait être revenu, là. Dites-moi si le son est revenu, là. J'ai tout simplement comme enlevé la notification là, du Messenger. Dites-moi donc, est-ce que c'est revenu? Est-ce que là, vous m'entendez? Je vous dis, tout arrive en même temps de ce temps-ci. Tu sais, ça fait des semaines là, que j'ai pas de nouvelles de ma grande, que tu sais qu'on se parle pas. Tu sais, mais oh, c'est pas vrai. Je peux pas dire que j'ai pas de nouvelles. J'ai de ces nouvelles parce que... oui, c'est revenu. OK, c'est ça. Là, est en mer, mais ils sont sur le chemin du retour. Là. Ils devraient être à Québec cette semaine. Ils s'en viennent accoster. Donc, là, c'est ça. Là, je sais qu'elle lit nos messages textes, nos textos, puis tout ça. Mais j'avais juste pas de... Ça fait longtemps que j'y ai pas parlé. Bref, c'est ça. C'était sa fête vendredi. Fait que, voilà. Là, je suis toute énervée. J'ai juste hâte de pouvoir aller la rappeler. OK, je termine, par exemple, mon projet. Et là, attendez, je vais juste fermer ça. Tiens, toi. Fait que finalement, j'en ai mis quand même encore en haut, parce que sinon, ben ça tient pas. Donc, je remets juste un peu de scotch tape là, pour que ça puisse tenir et que je puisse les réutiliser. OK, donc ça, c'est mon intérieur. Là, dans le fond, la dernière technique que j'utilise, mais c'est pas une technique nouvelle, mais ça fait partie de mes techniques préférées, c'est l'embossage à chaud, parce que je trouve que, peu importe le projet... l'embossage à chaud, c'est ce qui va toujours ajouter la petite touche vraiment d'élégance à n'importe quel projet. Puis surtout quand on utilise les poudres métalliques. Donc ce soir, je vais utiliser la cuivre et la or. Bon, je me suis nettoyé les mains. Donc or, cuivre. Je reprends mon petit bout ici. Là, on le met de côté. Et là, mon Versamarque. Donc, j'ai fait mes feuilles en cuivre parce que je trouvais que le cuivré donnait un peu cet effet rougeâtre, automnal que moi, j'aime beaucoup. Donc là, je vais passer mon embossing body. C'est quand même important là, de le passer parce que, comme je vous le dis, là, c'est quand même fraîchement fait au niveau de mon ancrage. Fait que j'espère que ça a eu le temps de sécher. Je devrais peut-être passer un petit peu de pistolet chauffant. Qu'est-ce que vous en dites? Là, je suis un petit peu à bout de... un peu à bout de fil, là. Comme ça. De même. Là, je devrais être correct. Je vais repasser mon embossing body juste pour être sûre. OK, je viens chercher ici. Moi, je préférais, dans le fond, utiliser celle qu'on voit les nervures, pas la pleine, pour avoir justement en arrière-plan, dans le fond, mes dégradés. Donc, c'est la seule que j'ai utilisée en réalité dans le feuillage. C'est cette feuille-là. Bon, alors j'ai ça ici. Là, vu qu'en dessous, tu sais, j'ai quand même tout mon pan, vu que c'est une étampe ici transparente, idéalement... Ah, ben il y a juste pas. Je mettrai en dessous... Regardez, je mettrai mon petit tapis. Moi, j'utilise souvent mon tapis qui vient avec mon Stamparatus. Ça fait super bien. Donc, c'est suffisant, là, en fait, comme épaisseur. Bon, OK. Alors là, Versamarque. Puis là, mais je suis allée vraiment là, de façon... Là, vu que j'ai une petite tache, là, je vais en profiter pour venir la camoufler un petit peu. Tiens.
Puis là, ben, ce que je voulais, c'est quand même des feuilles qui sortent un petit peu de mon cadrage. Donc, comme ça. Et comme ça. C'est bon. On va venir chercher ma poudre cuivre qui est ici. Et là, on se croise les doigts pour que ça vienne pas se mettre partout où je ne veux pas. J'ai pris toutes les précautions. Ah, c'est bon. OK, c'est super. Bon, je vais la mettre de côté. Je vais aller tout de suite, comme ça, estamper mon souhait, mon vœu. Oh, je ne l'ai pas sorti, mais il n'est pas loin. C'est vrai, j'ai utilisé, je viens de recevoir ça, je ne les avais pas encore choisis. Les souhaits essentiels avec des bons anniversaires, salut, merci, dans différentes grosseurs puis dans différentes fontes d'écriture. Vraiment, encore une fois, un incontournable. Oh, merci les filles, me dire que mon dégradé va bien. Ben j'espère que vous allez l'essayer, Lynn, vraiment. Oui, je pense que c'est un bon... c'est vraiment une belle technique à faire. Puis qui peut être le fun. Puis vous pourriez le faire aussi avec d'autres couleurs. Fait que j'espère même que vous allez essayer d'autres couleurs. J'ai hâte de voir ce que vous allez choisir. Je reprends ici mon petit papier. Ma petite bande que je vais utiliser. Qu'il y en a qui pensaient que c'était un ruban, mais non. C'est... Ah, il est juste ici. C'est vraiment juste une bande de papier, de carton blanc, en fait, que j'ai ancré. Donc, encore une fois. Et là, ah, ça me permet de vous dire. Vous voyez, dans le fond, j'ai réussi. J'ai ancré aussi un dégradé sur une bande de papier. Ce qui fait que si jamais, mettons que vous manquez là, votre affaire ici, là, ben découpez-le, puis collez-le justement sur un autre morceau de carton. Là, ça pourrait faire très, très bien. Il ne faudrait pas s'en faire avec ça. Là, la seule affaire, je me rends compte que j'ai... va falloir que je place mes affaires comme il faut pour être capable d'estamper droit. Comme ceci, je prends ce bloc-là. Et là, je vais vous remontrer mon truc à la place d'utiliser mon Stamparatus. Mais des fois, à chaque fois, je me dis, Nancy, tu devrais sortir ton Stamparatus. Tu serais pas mal plus sûre de toi. Mais bon, je place mon bloc sur mon papier quadrillé. Je m'assure qu'une des arêtes de mon bloc soit en ligne avec une ligne du papier quadrillé. Et là, dans le fond, je viens placer mon souhait de façon à ce que je le vois enligné sur une ligne. Donc là, vous voyez, là, je l'ai enligné comme ça. Je vais me faire un test quand même avant pour être sûr hein, qu'il soit droit. Donc, si je me mets... Donc, quand je vais estamper, même chose, c'est l'arête ici de mon bloc que j'aligne dans le fond avec une ligne de mon papier quadrillé pour m'assurer qu'il est droit. Bon, c'est parfait. La seule chose, je ne veux pas cette marque-là, évidemment. Là, il faut que je le nettoie. Non, ça, c'est pas bon. Il est où? Ah, il est là. Et là, je vais faire attention. Ça veut dire quand je vais appliquer mon encre. Comme ça. Alors, on va s'assurer aussi que ma bande est droite. Comme ça. Ça, ça devrait être bien. OK. Là, c'est vrai, j'ai mon... Je vais peut-être descendre ça ici. Est-ce que vous voyez encore? Si je le descends là, je vais peut-être... Vous voyez encore. Moi, je ne vois pas ce que vous voyez, mais... Non, je vais me le descendre encore. Je suis tannante. C'est juste pour que moi, avec mes yeux... faudrait que je m'amène sur une ligne. Je vais être trop basse. Aïe. C'est ça, quand on fait du direct, hein, il y a des choses à laquelle on ne pense pas. OK, je m'enligne avec une ligne sur mon papier quadrillé, advienne que pourra. Et voilà. Si mes œufs étaient corrects, ça devrait être pas pire. Ah, c'est bon. Fiu. Bon, OK, alors je reprends ma poudre cuivre. Ta-ta-ta. Tiens-toi. Comme ça. Puis là, ça, on va aller chauffer ça. Puis après ça, on va rajouter nos petites décorations or. C'est un petit peu long, j'avoue. Oui, vive le Stamparatus, t'as bien raison.
Anne-Marie, je vous dis, c'est ça, je suis comme un petit peu paresseuse, je pense, des fois. C'est de sortir telle chose, sortir une autre. Puis là, je suis comme, ah, là, on est en direct. Faut que ça va, faut que ça roule. Fait que là, on dirait que je viens comme, c'est ça. Je me dis, bon, je vais le faire de même, puis ça devrait être correct. Fait que c'est un petit peu ça. Bon, OK, on y va avec maintenant le chauffage. Hey, c'est vrai, Lynn, où est-ce que j'ai mis ton outil? Oh, il va être sur ma table là-bas. Lynn m'a offert une jolie pince. Parfait pour faire ça. Bonté divine. C'est une valeur que là, je ne l'ai pas proche. Ça aurait bien fait. Donc, mélange donc bien loin. Ah, bon. je trouvais que ça prenait du temps. Je ne dirais pas de ressources, mais téméraire. Ouais. Ouais. Ben, moi, je pense que les deux, ça s'entraîne l'un et l'autre. Là. C'est un petit peu question de force majeure rendu là. Voyons, bonté. Attendez. Je vous le dis, là, il va m'arriver quelque chose. Je le sens. Je le sens. Il va m'arriver un malheur. OK, là, ça commence. On voit hein, le changement de couleur, la brillance. Là, je vais le tourner de bord. On va dire que ma mère tourne de bord, Isidore. Voyons, bonté. Hey! Je ne suis pas synchronisée pantoute. Bon. Allez, allez. OK. Maintenant, les feuilles. Oh. J'essayais de prendre juste le bout coloré, mais c'est un grand carton, Nancy. Ah, oh, je vous le dis, là. Ben, non, c'est vrai. Il m'est arrivé plein d'affaires, là, en fin de semaine. Ben, même cette semaine. Plein de mes aventures. Ce qui fait que, ouais, j'ai peut-être pas si bien dormi que ça, moi, dans les derniers jours. Mais bon, c'était sous contrôle ou presque. On va s'en sortir. On te reconnaît, là. Ben oui, juste. Une chance que vous savez que je suis gaffeuse. Hein? Seigneur, Seigneur. Bon, une dernière. Puis après ça, on y va avec les petits éléments. Ah! Mais on s'entend-tu que l'embossage à chaud, ça peut juste être wow. Hein? Regardez ça. C'est-tu pas beau? Ça fait-tu pas automne, cette affaire-là? En tout cas, bref, je suis vraiment contente, ouais, c'est ça, du résultat de tout ça ici. Je trouve que ça fait un effet automnal, chic, bref, tout ce que j'aime. Maintenant, pour les petits bouts or, ce que j'ai utilisé, c'est la même chose, toujours dans le même. J'ai juste utilisé dans le fond. Ah, oh, merci, Lynn. Ici, les petites genres de taches, donc les celles qui sont plus aérées. Elles sont ici. Donc, ouais, j'ai utilisé deux jeux d'estampes à cause de soie essentielle pour faire mon vœu. Mon petit bloc ici va me paraître parfait. Alors, même chose, mais là, je change mon papier pour le or parce que là, je veux mettre ça en or. Elles sont vraiment belles, ces feuilles. Françoise, tu as vraiment raison. Puis, j'étais vraiment en train de les oublier. Tu sais, c'est ça qui arrive, hein? C'est qu'on a du stock, mais tu sais, à un moment donné, on dirait qu'on utilise autre chose. Puis là, je me suis rendu compte, c'est ça, qu'en fait, je trouvais pas vraiment d'étampes de feuilles. Puis je me disais, ça se peut pas que j'en ai pas. Puis là, quand je suis tombée là-dessus, j'étais vraiment, mais vraiment contente. Alors, là, en plus, ce que j'aime, c'est que je suis comme capable d'essayer d'enligner. Regardez ici. Ça fait-tu pas bien, ça? On dirait que c'est comme fait pour ça. Tiens, je vais le mettre là. Comme ça. Je vais la tourner ici. Tu sais, je trouve que ça suit un peu comme la forme de mes feuilles. Comme ça. Je ne vais pas en mettre nécessairement partout. On s'enligne. Comme ça. J'aurais peut-être aimé l'avoir là, mais... pas sûr. Au pire, je vais y en rajouter parce que je veux que ça ressort aussi au niveau du blanc. Pour donner aussi de la texture sur l'autre partie. Ah, tiens, peut-être ici, comme ça. Et comme ça, ici. Je veux pas que ça touche à mon cuivré, par exemple. Comme ça. Tiens. Fait que je vais y aller comme ça. Je vais étendre la poudre or, puis après ça, je verrai si j'en rajoute. Ça, c'est laquelle? Ça, c'est cuivre. Ça, c'est or. Oups. Mon Dieu, il me semble que c'est tranquille en haut.
Je devrais-tu m'inquiéter? Aïe, aïe, aïe. Comme ça. Je pense que c'est quand même bien. Ouais, je pense pas que je vais en rajouter. Là, attendez, je vais juste me le prendre. Ouais, je vais mettre mes doigts là. On enlève le surplus. Ouais, si je trouve qu'il m'en manque un petit peu. OK, ça c'est beau. Je mets ça de côté. Je vais refaire la même affaire pour mon souhait encore une fois. Ça en prend de la poudre pareil. Comme ça. Et enfin, mon souhait, où es-tu? Tu es là. On recommence. Donc là, je vais juste en mettre dans le fond, dans deux coins. Comme ça ici. Et là, je pense que vu que j'ai passé comme il faut tantôt l'embossing body, puis quand j'ai fait mon souhait bon anniversaire, ça a comme pas fait de marque. Fait, j'ai l'impression que j'aurais pas mes petites marques de poudre qui collent. En tout cas, on va voir. Je parle peut-être trop vite. Non, ouais, c'est ça. Là, vous voyez, il est bien clean. Il est bien, bien beau. Mais j'ai aimé ça, finalement. Et des fois, c'est ça, il y a des choses... c'est pas ce que je voulais au départ. Puis une fois que, ben là, il était trop tard, c'était fait, j'arrivais pas à l'enlever. J'ai aimé, finalement, l'effet que ça fait. Mais là, vous voyez, j'ai pas réussi à le refaire. Parce que c'était une erreur au départ. Bon, OK. On chauffe une dernière fois, puis après ça, on assemble tout. J'ai déjà au moins découpé... Là, je ferai pas la gaffe deux fois. J'ai déjà découpé, en fait, mes feuilles. Je vais vous montrer ça. Ah non, je n'ai pas découpé celle en cuivre. Mais quoi que j'en ai en surplus. Ah, je vais peut-être être correct. Bon, je l'ai. Tiens. J'aime bien la combinaison du or et du cuir. Je trouve que ça fait beau. Tiens, je vais prendre maintenant celle-ci. Ah! Bon. Ça va. Comme ça. Je suis à bout de fil, c'est ça mon problème, là. Bon, voilà. Je vais tourner ça. Youpi! C'est beau. L'effet wow de l'embossage à chaud, pour vrai. Je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment des belles techniques. OK, alors, maintenant, pour le montage, pourquoi, en fait, j'ai utilisé ces bandes-là ici, sur le côté, avec les... Ben oui, écoute, Lynn, je m'en veux tellement, là. Ça aurait été tellement parfait ce soir. Mais c'est sûr qu'ils sont sur... j'ai comme l'impression que ils sont comme sur la petite table d'entrée, là. Tu sais, mon petit... Bref. Bon, c'est ça. J'avais ces bandes-là qui me restaient de quand j'ai fait le crop... avec, je le dirais pas, le dernier crop qu'on a fait. Ce qui m'amène à vous parler aussi d'ailleurs que le crop des gnomes, il est toujours possible de s'inscrire. Comment que ça s'appelait? Récolte rustique. Bon, alors, il me restait dans le fond des bandes après avoir joué avec ce papier métallisé-là. Donc là, je me suis dit, je ne sais pas pour jeter ça, c'est sûr. Donc, c'est ça ici que je suis venue utiliser. Mais là, même là, je trouve que c'est un... il est quasiment de la même longueur, celui-là. Bon, j'en ai un autre ici. Lui, il est plus grand, tandis que ici, regardez. Ouais, il est plus grand que celui-là. Il est presque de la bonne longueur. J'aime moins ça, le fait que ce soit presque de la bonne longueur, ce qui veut dire que je vais utiliser lui. Puis je vais le mettre pleine longueur, finalement. Elle va être un petit peu différente de celle-là. Fait que je vais le mettre à 5 pouces et quart. 5 pouces et quart, parce que c'est ça qui fait mon papier. Oui, 5 pouces et quart. OK, let's go.
5 pouces et quart. Et je vais me le couper en deux. Donc ça, 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 en fait, c'est une retaille qui me restait de 7 huitièmes. Donc, couper ça en deux, là, on y va à l'œil. Parce que de toute façon, ce que je veux, c'est d'être capable de le coller par en arrière. Donc, je vais venir tout simplement prendre ici ma Tombow. Et là, je vais l'appliquer. Ça, c'est rare que je fasse ça. Mais là, je vais l'appliquer juste derrière mon carton blanc. Donc, une petite lisière. C'est un papier qui est quand même léger. Encore une fois, je vais m'aligner avec mon fameux papier quadrillé. Et là, ben, je vais avoir environ... Oui, un huitième. Je veux pas un quart, je veux un huitième. Donc, attention, je vais m'aligner comme du monde. La moitié de ça. La moitié d'un quart, ça fait un huitième. Oups. Oupsie. Je suis correct, ouais. Il dépasse un petit peu en bas. Je vais le couper après au ciseau. Je vais peut-être comme ça. Je veux qu'il soit droit. Ici. Mets-toi droit, mon amour. Voilà, voilà, voilà. Des fois, je pars comme ça, mes papiers, là, hein? Ça fait du bien, ça. Bon! Il est bien beau. OK. Mon autre petite bande, elle est où? Elle est ici. Même chose. Donc, même chose, je vais y mettre un petit peu de colle ici sur le rebord. Je vais m'aligner. Je sens que j'ai un petit peu de poudre embossée en dessous sur mon papier ici. J'en nettoie ça après. Des fois, la poudre, ça peut tacher aussi. Hein? J'ai comme pas le goût. Il reste que c'est ça, des cartes techniques. Il reste que ça nous demande quand même du temps, de l'ouvrage. Alors, hein, on va essayer de s'assurer d'être... Oui, je voudrais que ça soit un petit peu plus rentré. Voyons. Attention. Comme ça. Bon. J'ai l'impression de parler vraiment tout bas, d'être super concentrée sur ce que je fais. C'est lui, finalement, qui est peut-être pas assez sorti. Quoique, bon, c'est beau, ça. OK. Fait que là, je vais venir juste couper ici mon petit excédent. Tiens. Tiens. Bon, OK. Fait que là, regardez, à la place d'être sur du fruit des bois, je vais être sur du cuvée de cassis. Ça fait très bien aussi, mais je le veux comme ça. Hein, ça fait beau aussi, hein, cuvée? Là, c'est sûr que vous, ça paraît peut-être plus noir, mais ça va vraiment plus chercher, dans le fond, le bas de mon dégradé. Fait que j'aime ça, je trouve que ça fait changement. Est-ce que la pince avec les bouts... Non, la pince... Bon, tu sais, Divine, il faudrait que vous la cherchiez. C'est pas avec des bouts en plastique, c'est avec des bouts en céramique. Ouais, je vais vous présenter ça... Je vais vous la présenter. Oh, merci, Anne-Marie, merci. C'est vrai que c'est beau. Pour vrai, je suis contente du résultat. J'étais vraiment... J'avais une idée dans la tête, puis l'idée est bien ressortie. Fait que non, je suis vraiment, vraiment contente. Comme ça. Et là, ben mon souhait, lui, par contre, je vais le coller avec des stampings, des machinons pour pouvoir justement y insérer mes feuilles en arrière. Donc, où est-il? Il est ici, j'imagine? Oui. Alors, on va y en mettre trois. Un au centre. C'est Lynn Cher. C'est pas moi. Lynn, elle trouve de tout. Je vous le dis, là, c'est ça. C'est comme une caserne d'Alibaba chez elle. Il y a toutes sortes d'affaires. Hein? Lynn a tout le temps les petites affaires. Là. Des fois, j'arrive là, elle me dit, garde ce que j'ai trouvé! Bon. OK, alors, je colle ça ici. Tiens-toi. Parfait. Mes petites feuilles. Bon, alors regardez, j'en avais déjà découpé. Ça, c'est ce que j'avais découpé lors de la dernière fois, puis c'est ce qui me reste. Donc, puis là, je m'en étais redécoupé d'autres ici. Et je pense que j'aurais pas besoin d'aller en découper d'autres. Si je prends... Je pourrais peut-être faire le contraire. Je vais mettre comme ça. Ensuite, celle-là. Puis celle-là. Tant qu'à faire contraire, qu'est-ce que vous en pensez?
Ça fait du trop A sur A, on dirait qu'on parle de détail, hein? C'est pour ça, en fait, je pense que j'avais utilisé cuivre. Mais celle-là, c'est juste qu'elle est plus grosse. Alors, je pense que je vais en découper d'autres, là. Ça va me prendre 2 minutes de plus. Ce ne sera pas la fin du monde, comme on dit. Voyons, comme ça. Ouais, je pense que j'aime mieux avoir 2 cuivres pour couper à cause de mon papier métallisé or ici. Fait que, quoique de même, c'est pas si pire. Hein? Est-tu trop grosse cette feuille-là? Parce que sur mon autre, j'avais pris la plus petite. Fait que là, on dirait que je trouve que ça fait gros un peu. Puis en fait, c'est surtout que ça devrait être en dessous. Ça. Comme ça. Celle-là, ça en viendrait ici, là. Voyons. Comme ça. Est-ce trop grosse, elle? Ah, oh, je me souviens, oui, elle avait cassé, puisque je l'avais rentrée plus encore. Ah, c'est ça. Hein? Encore des erreurs qui, finalement, font que là, quand j'essaie de reproduire, je fais comme, ben voyons. Fait que moi, je l'avais rentrée plus profondément, mais pas vraiment plus profondément. Là, il faudrait que je la rentre plus profondément. C'est que quand j'arrive pour la coller, ça avait déchiré dans le bas. Elles sont quand même délicates. Le fait que ce soit comme très travaillé comme ça. Oh, je pense que je la laisse de même. Hein? Bah oui, ben oui, ben oui, ben oui. OK, Nancy, arrête, là. Hein, des fois, c'est ça. Des fois, je me trouve intense sur le questionnement. OK, alors celle-ci, je la mets dans le fond. Comme ça. Tiens. Ensuite, je vais mettre ma grosse feuille or. Regardez, c'est ça, c'est que c'est comme tellement fin, c'est difficile. Ah, je pense, tiens, je vais essayer de me le mettre ici. De trouver une place vraiment pour mettre son point de colle. Mon outil touche à tout va m'aider ici. Mais je vais la rentrer quand même plus loin. Elle est même. Ah! Non. J'ai un petit peu plus de touch avec mes doigts. Bon, comme ça, c'est pas pire. Puis, ma dernière en cuivre. Ici. Sur le rebord, comme ça. Ah, oh, c'est beau. Dernière petite touche. J'ai utilisé mes fameux poids autocollants métal brossé. Fait que là, vous voyez, il me reste plus de cuivre. Donc, j'ai utilisé mes ors, ce qui faisait très bien. Pour vrai, ça me gênait pas. Oh, oh, je sais, il y a quelque chose qui va. Ah oui, ah, non. Il reste comme un point de colle. C'est-tu lui, dans le fond, qui lui manque? Ouais, je pense que c'est lui. Tiens. Je vais m'en mettre une autre là. Puis une petite. Ici. Ah, puis l'intérieur, c'est vrai. Mon Dieu, j'ai fait un intérieur, moi. Il est où? Il est rendu. Ah, il est là. savez-vous quoi? Je pense que je vais le mettre comme ça à la place parce que à cause de la petite marque que j'ai fait. Ah, moins que non, 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 non. Ben non, Nancy, regarde bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt. Je veux cacher ça. Comme ça. Si je la mets là. Ah ouais, je vais la mettre comme ça. Bon. Tant qu'à faire différent, on fait différent. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour coller, je pense que là, je vais y aller avec ça. Ça va aller plus vite. Je pense que je suis rendue à ma 3e roulette. Hein. Ça, là, quand on commence à utiliser ça, pour vrai, ça va vite, ça va bien, mais ça va vite. Ça nous prend des recharges quand on se met à les utiliser. Là. Celles qui s'amusent à coller... Avec ça, je vous le dis, une fois qu'on l'a adopté, c'est dur de s'en passer parce que ça va vraiment très bien. Mais c'est ça, c'est pas long qu'on déroule. Tiens. Et je vais terminer. C'est-tu celle-là que j'avais pris? Je pense que oui. Mes petits points de colle sont où? Ils sont juste là. Et là, j'ai fini! Bon, ben, je suis contente en tout cas que je pense que c'est une carte de ce que je voyais en tout cas sur mon Facebook. Je pense que c'est une carte qui vous plaisait. Puis avec raison. Je pense que c'est une belle carte, effectivement. Fait que je suis bien contente de vous avoir montré ça ce soir. Puis j'espère que ça va vous inspirer à vous aussi, que vous allez participer au concours. Je vois un petit ralentissement concernant les défis du mois.
Fait que j'espère que ça va vous donner le goût. N'hésitez pas à changer les couleurs, à faire des dégradés. Puis là, bon, oui, moi, j'ai fait un dégradé, mais vous pourriez très bien aussi utiliser différentes couleurs qui ne feront pas nécessairement un dégradé, mais un mélange de couleurs que vous aimeriez voir ensemble. Donc, allez-y, amusez-vous. Puis j'ai bien, bien hâte de voir vos créations. Ah, merci, Jocelyne. Merci, Carole. J'en profite aussi avant de vous laisser pour vous dire, derrière moi, en fait, j'ai les kits pour celles qui avaient pris pour le crop des gnomes. Donc, ça va partir cette semaine. Ça devrait partir demain même, en fait, pour les kits de création avec Histoire de Gnome. C'est encore le temps de vous inscrire si jamais ça vous tente. En fait, le prochain crop, c'est du 27 au 30 octobre. Encore avec Isabelle, Marie-Josée. Donc, plein d'idées, des défis, de l'animation. On va venir encore vous voir pour vous présenter des choses. Puis si jamais, dans le fond, là, c'est sûr que moi, il m'en reste un kit de gnome, en fait. Donc, si jamais ça vous intéresse, juste à m'écrire, puis je vais pouvoir vous répondre. Là, il m'en reste un, si jamais vous aimeriez avoir un petit kit de création. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Et là, la semaine prochaine, c'est vrai, je vais venir vous le dire, mais je pense qu'il n'y aura pas de, il y aura pas de live. Je prédis ça un petit peu d'avance, mais je pense que ça va être difficile pour moi de le faire. Mais si jamais je suis capable, c'est sûr, sûr, sûr que je vais venir vous faire un petit coucou. Alors, voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne semaine. Bye tout le monde!